leur repas. Il n'y a que la mère et les deux fils. Tout est ensoleillé, la table est ronde. Derrière la chaise où s'assied la mère, il y a la fenêtre d'où l'on voit la mer briller sous le soleil. Les capes au feuillage sombre des pins et des oliviers, et plus près, les villas au toit rouge où fument les cheminées. Car c'est l'heure du repas, tout est ensoleillé. Et sur la nappe glacée, la bonne affairée dépose un plat fumant. Le repas n'est pas une action vile, et tous les hommes devraient avoir du pain. La mère et les deux fils mangent et parlent, et des chants de gaieté accompagnent le repas. Les bruits joyeux des fourchettes et des assiettes, et le son clair du cristal des verres. Par la fenêtre ouverte viennent les chants des oiseaux dans les citronniers. Et de la cuisine arrive la chanson vive du beurre sur le feu. Un rayon traverse un verre presque plein de vin mélangé d'eau. Ah, le beau rubis que font du vin rouge et du soleil quand la faim est calmée. Les fruits gais et parfumés terminent le repas. Tous se lèvent joyeux et adorent la vie, sans dégoût de ce qui est matériel, songeant que les repas sont beaux, sont sacrés, qui font vivre les hommes.